seul ici. Et là, c'est tout sauf une forêt, en fait. Où est-ce que je vois une forêt, là, à mon avis? C'est tout sauf une forêt, ce lieu. Elle est par là, je crois. Ouais. Ok. Je vois rien. Au secours! Je vois rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? What? Ok. Ok. Ok, c'est bon, c'est parti. Hop là. Voilà. Ah, c'était pas si compliqué que ça en fait. Littéralement, je me pose, il arrête de plus voir. Vous vous rendez compte qu'à quel point il n'y a aucun respect pour moi là? Hein? Bon, alors c'est parti, on va chercher notre arme magnifique. Oh mon Dieu! Casse-toi! Tu m'as fait trop peur. Oh mon Dieu! C'est bon. Je peux pas prendre ça, c'est nul, de toute façon. J'espère qu'il n'y a pas de méchants trop compliqués à vaincre. Hein. C'est quoi ce bruit? Attendez, je suis très sensible, moi. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, ne m'envoyez pas dehors. C'est open world, n'est-ce pas? Donc je peux rentrer où je veux. On peut placer des trucs ici, vous pensez? Oh si on peut, c'est trop nul. C'est trop nul. On va pas se perdre, on peut passer des trucs. Oh, c'est magnifique. On suit la lumière. J'ai peur. J'ai peur. Au secours. Je sais pas ce que c'est. Ah, y a plus de lumière. Je vais où maintenant? Y a plus de lumière. Je vais là-bas. Oh là, la lumière. Oh là, bonjour, c'est lui, regardez, il a un visage. C'était quoi ça? C'était Bulule? J'avais jamais vu. Oh, il y a un coffre dans sa bouche! Je vais placer un coffre quand même. Hop là. Ici. Est-ce que les autres armes ont aussi des visages? Si, lui aussi il a un visage.
Où suis-je? Je suis absolument pas perdue. Oh, regardez, il y a une autre bouche ici. Je pensais qu'on peut rentrer dedans. Il y a rien. Allez hop. Bonjour monsieur. Aidez-moi s'il vous plaît. Oh. Mais what? On dirait pas que les corbeaux ils essayent de nous guider. Donc c'est pas par là. Par là. Oh, on l'a trouvé. We found it. Ok, on l'a trouvé. Regardez, on a réussi. On est rentré dans la vieille forêt. Forêt Korogu. Ça y est, on a trouvé la forêt Korogu. Ils s'en vont tous en me voyant. Vas-y, sanctuaire qui crie depuis 3 siècles. Ok. Je crois après les grenouilles, hein. Je suis tellement contente. Bon, on va débloquer ce sanctuaire. Comme ça, on peut directement aller dans la forêt. On peut même enlever tous ces trucs là inutiles. On peut dorénavant se téléporter directement dans la forêt. Regardez. Oh, c'est l'épée. C'est l'épée. Attendez. Ah oh non, on peut pas aller la prendre habillée comme ça. On sera bien habillé quand on la prend, les gens. Voilà. Il y a plein de fées là, j'ai envie de prendre les fées. Faut que je résiste. Oh, regardez, c'est qui ça? Bon, je vais la prendre avant, évidemment. Hein. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Alors je t'en prie. L'orbe Mojo. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi, alors. Te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendu 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieillard qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens.
La lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau de Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu lui laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de tout son socle. La prudence est de mise. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. La lame du héros. Nouvel objectif. Bah je tente, hein, écoutez. Assez. Si tu ne m'avais pas lâché prise, tu aurais péri, mon garçon. Je n'interviendrai plus à l'avenir. Poisserin de bien te préparer avant ta prochaine tentative. Ok. Bon, vous savez quoi, en fait, c'est pas trop grave, hein, je suis pas triste. Je suis pas triste du tout. Et non, parce qu'en fait... Oh, bonjour, monsieur! Monsieur, je vous cherchais partout. Monsieur... Nom d'une noix! Petite noisette, comment on se retrouve? Tu ne dis rien? C'est moi, Noya, le musicien de la forêt Korogo. Quoi qu'il en soit, je te félicite d'avoir franchi les bois perdus. Alors, est-ce que tu as trouvé des noix Korogu? En as-tu? Eh ouais, j'en ai plein. Bon. Si tu me donnes une noix Korogu, j'agrandirai ta sacoche. C'est bien, hein? Alors, celui des boucliers. D'accord. D'accord, je t'agrandis ça. En vrai, je sais pas pourquoi je fais ça, j'utilise jamais les boucliers en fait. J'ai envie de grimper sur l'arbre Mojo. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites de cette idée de génie? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est où déjà? Voilà, ici. Et là, c'est l'arbre Mojo. Et je grimpe sur lui. Parce qu'évidemment qu'on grimpe sur l'arbre Mojo. Hein. Il n'y a que quelqu'un de bizarre qui ne va pas grimper sur l'arbre Mojo. Et comme je ne suis pas bizarre... Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. Non, en fait, je veux juste grimper sur toi, en fait. L'épée, je peux pas. Alors, on va pas refaire le monde, là. Moi, je veux juste grimper sur ta tête. Ne m'avale pas, s'il te plaît. Oh mon dieu, ça va être dur, en fait, de grimper sur lui. Je pensais que ça allait être hyper facile, mais... Mais non, en fait. Il ne se laisse pas grimper comme ça, le mec. Oh, on monte sur l'arbre Mojo, youpi! Ça aurait été bien si on pouvait faire notre petite maison sur lui.
Oh, regardez! Ah! Je pleure! Je pleure. C'est magnifique. C'est ça? Oh, des pots! Désolé. Attends, je recommence. Ouais. Déjà, on n'est pas chez nous, alors on va se calmer tout de suite. Pour une fois que je suis respectueuse de la maison de quelqu'un. La musique, c'est un peu accéléré, vous avez vu? Bien sûr, on parle, il y a un point d'exclamation. Parlez. Ah, oh là là, mes yeux se sont fermés tout seuls. Si tu es venu à moi, c'est que tu veux subir l'épreuve ultime. Je suis prêt. Que l'épreuve ultime commence. Tu dois m'apporter les objets qui correspondent aux indices que je vais te donner. Qu'est-ce qui est petit, rouge, rond, croquant et sucré? Trouveras-tu la réponse? Trouveras-tu pas? Si l'objet que tu poses sur la feuille est la bonne réponse, je danserai. Brille, brille! Mais, tu es le héros! Oui, oui, le héros parmi nous, le revenu dans la forêt. J'ai inventé une épreuve rien que pour toi, ami héros, pour que tu deviennes plus fort. Tu n'as pas besoin de combattre ni même d'avoir peur, mais attention, il te faudra quand même être prudent. Alors, voilà, j'aimerais voir un rubis. Ils sont à peu près grands comme moi, tout bleu, et ils brillent dans la nuit. Ouais, je vois de quoi tu parles. Pourrais-tu me montrer une image d'une de ces créatures? Bien sûr. Nom de noix! Tu ne me dis pas que tu as réussi à obtenir une image? Yaha! Cette Rumi! Oh, il brille encore plus que je l'imaginais. Mille merci, Amiro. Je suis comblée. J'aimerais te remercier de m'avoir montré une créature aussi merveilleuse. Tiens! Merci. Ça t'arrive souvent d'avoir besoin de rubis, pas vrai? Si un jour tu as vraiment besoin, tire une flèche sur un rubis. Et là, magie, il fera tomber des rubis. Oh là là, comme je suis content que tu m'aies montré cette image, si content. Je ne m'attendais pas à ce qu'il faille les tuer en fait. Non, en fait, je ne veux pas te parler. Franchement, je ne m'attendais pas. J'ai terminé l'épreuve en fait. Je l'ai commencé, je l'ai terminé. C'était hyper rapide. Ami héros, vas-y, un point d'exergence. Tu ne seras pas le héros, par le plus grand des hasards. Bienvenue dans la forêt Kangoo. Tu es encore plus chevaleresque que je l'imaginais. Merci. Ma tenue est géniale à ce que je vois. Héros, j'ai envie que tu sois encore plus fort. Alors, j'aimerais te soumettre à une épreuve. Alors, veux-tu relever mon défi? Ça marche. C'est merveilleux. Tout ce que tu as à faire, c'est me montrer une baguette qui fait de la glace. Il suffit de l'agiter et waf! Ouf! Le pouvoir de glace qui l'agite congèle les méchants sur place. Ah! Non, mec, j'ai pas de baguette de glace. J'ai une baguette de feu. T'es sérieux là? J'ai une baguette de feu. Pourquoi il te faut une baguette de glace absolument alors que j'ai une baguette de feu? Toi, t'as un point d'exclamation ou passe les épreuves? Non, Jill, tu es impossible. Le héros parmi nous. J'ai commencé à me poser des questions quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement. Oh, Berthe, c'est donc un présage de ton arrivée. Je plaisante, bien sûr. Oh, héros des rues. Les Korogos ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi. Elles sont d'une difficulté sans égale. Mais si tu les réussis, tu pourras retirer l'épée de légende comme si elle avait été plantée dans du beurre. Enfin, espérons. Bien, bien. Souhaites-tu te soumettre aux épreuves Korogo que nous avons préparées pour toi? Bien sûr. Oh, comme tu es naïf d'accepter une telle demande sans même savoir de quoi il s'agit,
Cela te jouera des tours. Revenons à notre sujet. Que sont les épreuves Korogu? C'est un rite de passage à l'âge adulte au cours duquel il faut faire le tour de sanctuaire de la forêt Korogu. Épreuve numéro 1 au sud-ouest. L'épreuve du fer. Épreuve numéro 2 au nord-est. L'épreuve des fleurs. Épreuve numéro 3 à l'est. L'épreuve du feu. Celle-là, j'ai trouvé. Tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir le véritable héros. Oh, il y a une récompense à la clé, bien sûr. Cède à ta cupidité. Sois matérialiste et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Super, bon courage. Les épreuves Korogu. Est-ce que je peux lire ça? Épreuve du feu. Sortie de la forêt. Let's go, épreuve du feu. Un défi, ça te dit? Salut, ami héros. Je t'attendais. Enfin, j'attendais ta venue. C'est ici que se déroule la plus difficile des épreuves Korogu, l'épreuve du feu. Pour réussir, il suffit d'atteindre l'arrivée avec le set d'armes de l'épreuve, toujours équipé. Tu peux essayer? Ouais, vas-y. J'ai pas de vie, mais bon. C'est parti, mon kiki! Tu dois toujours avoir l'épée, l'arc et le bouclier équipés. Si tu en casses ou enlèves un, c'est raté. Raté, raté. Mais j'ai pas de bouclier, donc c'est raté de base, en fait. L'arrivée, c'est le sanctuaire qui se trouve tout au bout. Allez, va l'ami. L'épreuve du feu. Ah oui, je crois que je comprends. Ah, bien sûr. Ah. Ah, help me. Ah. Évidemment, c'est pas par là. C'est par où qu'il faut passer? Je comprends pas, non. Le peuple. Pas le peuple. Pas le peuple. Allez hop. Ah. 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 S'il vous plaît, c'est pas trop dur. Non, c'est pas trop dur. Oh. Ah. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je suis allée faire là? Je suis allée me tuer. Non, j'ai tout perdu. Ah, ça te vite. Saute, 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 saute. Saute, mec. Il saute pas. Mec, je comprends pas ce... Cet homme complètement nul. Link. Il veut pas sauter. Depuis quand il peut pas monter là? Ça n'a pas de sens! Il peut pas monter! Je suis passée littéralement par accident en fait. Ah non, 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 pas par là. C'est par où? Mais là, comment je fais pour aller là? Je peux pas passer par là, c'est n'importe quoi. Par là, peut-être? Ah ouais, c'est définitivement par là, en fait. Hâte! Hâte, porte-conneuil, les mecs! Ça suit.
Non, c'est pas par là. C'est par où? Où est ce fichu sanctuaire? Je comprends pas comment on fait. C'est par où? Ah, non. Ah. Vas-y, donne-moi 10 000 cœurs, là, j'en ai marre. Je sais pas trop quoi faire. Par où je passe, monsieur? Arrêtez de m'envoyer des flèches, donnez-moi des informations. Ah mince. Aïe. Couche. Moi je sais pas où c'est l'épreuve. Il est où ce truc là qui me saoule là? Où are you? Ah! Restez. Comment je passe là? Ah mince. Le sanctuaire, il doit pas être bien loin. Où are you? Oh mon dieu! Ouf, ça m'a fait peur. C'est bon, tout va bien. Pas de panique, c'est... Did I just... Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? What did I do? J'ai vraiment fait ça en fait. J'ai vraiment balancé mon épée dans la gueule du gars. Prêt! Oh là là! J'arrive pas à croire que j'ai fait une chose pareille. Je suis débile. Pourquoi j'ai envoyé mon épée? Pourquoi j'ai envoyé mon épée? Je vais y arriver. Ouais, dans la vie, il faut garder espoir. Oui, oui, je sais, je sais, je vous ignore. Vous existez, vous avez été créé par les joueurs. Vous avez le droit d'être considéré, mais c'est que j'ai pas le temps en fait. Faut sauter. Ok. Aïe. Ah ouais, c'est ça, je me rappelle. Dégage. Mais lui, au lieu de lui envoyer des flèches, je lui ai carrément envoyé... Voilà. Donc ça... Ah, je peux pas... Oh, j'ai failli changer d'arme. Oh le voilà le sanctuaire. Oh je le savais. Attends. J'ai tout ce qu'il vous faut les gens. Vous en dites quoi les petites flèches électriques, ça vous tente?
Ah, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Tu as atteint l'arrivée! Bravo, tu as atteint l'arrivée. Et voilà, l'épreuve du feu est terminée. Maintenant, va, héros. Ta récompense t'attend au sanctuaire. Ah, au fait, si l'envie te prend de vouloir repasser cette épreuve, reviens me voir. Promis? Voilà, c'est tout. L'épreuve du feu, terminée! Bon, on a fait le plus dur. Donc, le plus facile reste à faire, en fait. Oh là là, c'est pas possible ça. Comment je suis aussi nul Bon, on fait le sanctuaire et ensuite on s'arrête parce que les grenouilles, elles sont à fond là. C'est leur moment. Voilà. Cœur antique géant. Ah. Bonjour monsieur, ça faisait tellement longtemps. Yahoo! En parvenant jusqu'à ce sanctuaire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Le nom de la SG reçoit l'emblème du triomphe. Allons-y! Ah, je peux me faire des repas ici. Je peux me reposer ici. Je pense... Oh, regardez! Des radis. Des pommes! Oh! Qu'est-ce qui est rond rouge? Alors, est-ce que j'ai des pommes? Attendez. Attendez. J'ai des pommes. Ok. Vous savez quoi? Je vais tenter de mettre une pomme sur la feuille du gars là. J'ai un truc petit, rond. Non, je veux pas te parler, je voulais juste arriver. Je veux que tu sois témoin de ce truc. Une pomme, une pomme! Nom d'une loi! La danse de la bonne réponse! Question suivante. Quel légume bien robuste est originaire du village de Cocorico? Vas-y, je reprends. Village Cocorico, écoute, t'as pas idée de ce qu'il y a dans ma sacoche en fait. Robuste? Un légume robuste. Du village de Cocorico. Faudrait que j'aille à Cocorico en fait. Hein. Voilà quoi. Bon ben, ok. Au revoir. Maintenant qu'on a fait la pomme, on va pouvoir arrêter ici, les gens. Hein. On va s'arrêter ici. La prochaine fois, on fera le sanctuaire. On fera les deux autres épreuves comme ça, nous aurons notre épée. Et je vous parle en volant. En tout cas, merci d'avoir regardé. Moi, je m'arrête ici. Je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas épuisée, j'ai bien géré mon temps. Et de toute façon, il y a trop de grenouilles, de toute façon, alors on s'arrête ici. En tout cas, merci d'avoir regardé, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.